commencé. Il y a quelques années, j'ai eu une relation avec un homme qui n'a jamais entendu « je t'aime ». J'en ai parlé avec sa maman et... Vous voyez, quand j'imite Solange te parle, le ciel et les éléments se déchaînent contre moi. Marine Spahak, dite Marine S, est auteure de BD féministes comme il se doit pour le web magazine Femmes Pluriel et pour son propre blog Dans mon tiroir, wordpress.com. Ces BD sont très partagées en ce moment sur les réseaux asociaux des féministes de combat et autres SJW, Social Justice Warriors. Il m'a semblé donc que c'était absolument pertinent en termes de timing de vous en faire une lecture agrémentée d'un commentaire composé, à l'instar de ce que je vous ai pondu il y a quelques mois maintenant avec les romans érotiques de la Marlène Schiappa. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, et vous êtes un certain nombre à être nouveau, puisque ça y est, on a les droits, on est 50 000. Et voilà, on a les droits. Nous étions à l'époque de la lecture de ces récits de notre secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, nous étions quelque chose comme 30, 36 ou 37. Vous êtes donc peut-être 14 000 nouveaux à avoir manqué ce fou rire, hein. Alors légèrement durcie, bon là elle précise que c'est avec sa main droite. Donc on sait pas du tout à quoi elle ressemble, mais on sait qu'elle branle de la main droite. Donc à la limite, si vous la rencontrez, ben vous saurez. Eh bien, je vous mettrai les liens soit en description, soit dans le coin de l'écran. Alors avant les aventures en BD de Marine Spahak, les 50K, je vous l'ai dit, merci encore, bravo. J'ai promis un cadeau au 50 millième, à ma grande surprise, en fait, l'interface de YouTube, la nouvelle interface de YouTube, ne me permet pas de remonter et de savoir qui était le 50 millième. Je pensais à tort que c'était le cas. Aidez-moi, que le 50 millième se dénonce, enfin, entre en contact avec moi en me donnant une preuve, hein, une capture d'écran, quelque chose, et il sera invité à mon prochain séminaire qui se tiendra le 1er décembre prochain et qui aura pour thème le bonheur. Toujours en parlant d'abonnement, je vous en ai parlé en post. Vous savez, les posts, ce sont les petites mises à jour que je vous fais entre les productions de vidéos. Je vous ai donné un lien très intéressant que peu d'entre vous connaissent, qui est un lien propre à votre compte YouTube. Ça n'a rien à voir avec le mien, ce n'est pas le lien de ma chaîne. C'est un lien vers votre compte YouTube qui répertorie les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Vous êtes beaucoup, avec les changements d'algorithme, à vous retrouver avec des anciens abonnements qui vous servent à rien, qui vous polluent, des chaînes que vous ne suivez plus. Je vous encourage à faire le ménage parmi vos abonnements en cliquant sur le lien en description, ce qui permettra de vous alléger votre flux d'infos quotidien et en activant la cloche pour les sites qui vous abonnent, qui vous intéressent le plus, pour les producteurs qui vous intéressent le plus, de faire comprendre à l'algorithme ce qu'il faut vous remonter plus régulièrement. Dernier point avant de se lancer dans la vision du masculinisme par Marine Spahak et pas Spank. Slap my ass. Okay. You're being a pussy, right? Slap my ass hard. Soutien de principe à Léo de Les ou Le Philogine. Je crois que c'est, on dit Les Philogine. Alors Léo, je sais qu'il me suivait il y a un certain temps quand il lançait sa chaîne, puisqu'il mettait régulièrement des commentaires sous mes vidéos. C'est de bonne guerre, hein, tout le monde l'a fait pour ramener un petit peu de flux. Moi, je n'ai pas grande connaissance de ce qu'il fait. On m'a dit que c'était parti comme du coaching en séduction et que ça avait tendance à évoluer sur de l'analyse un petit peu psychosocio. Alors moi, évidemment, ayant eu un peu le même parcours, je ne peux que me sentir solidaire. Alors, Les Philogines vient de se faire striker une vidéo par une certaine Solange te parle. Donc, comme je l'ai, ce n'est pas de l'opportunisme, je l'ai déjà annoncé il y a plusieurs mois, lorsque un certain Corda, Jean-Marie, je crois, ou Jean-Michel, oui, Jean-Marie, s'était fait striker son compte. Je n'ai pas besoin d'être un follower, un abonné assidu. Je n'ai pas besoin d'être sur leur ligne médiatique, sociale ou politique. Simplement, je connais très bien le modus operandi de l'Amicale de la Bien-Pensance. Rappelez-vous, j'ai moi-même été striké de la radio, de la télé. J'ai une pétition de près de 90 000 personnes voulant me faire licencier. En 2018, ma plus grande conférence, qui devait être pas à la Sorbonne, comment ça s'appelle, une grande université parisienne, a été non pas démonétisé, mais simplement j'ai été interdit de présence par des associations de Social Justice Warriors. Donc je connais très bien leur modus operandi, j'imagine parfaitement ce qui s'est passé.
Tu as mis Solange, je te parle, devant une de ses contradictions, et plutôt que de te faire une réponse frontale, elle a utilisé une verrue juridique de l'étoile noire YouTube, qui est l'ID copywriting, c'est-à-dire qu'elle a identifié, comme elle a plus de 100 000 abonnés, sa page, son interface lui permet de savoir exactement qui utilise ses contenus à la seconde près. Tu as utilisé, dis-tu, je te crois, a priori 4 secondes de son contenu simplement en pensant que tu avais un droit de citation, ça c'est du droit français, mais en droit YouTube, tu n'as aucun droit et elle en a profité pour te faire, non pas bannir, mais pour te coller un avertissement. Donc le procédé est veule, le procédé est pleutre, le procédé est minable. Alors pour tout, j'instaure désormais un petit rituel. Pour tous les soldats du combat tombés injustement au front, même si ce n'est qu'une chute temporaire, tu vas te relever. J'allume une bougie. Voilà. Merci à Armel pour le cadeau de cette belle bougie. Tu vois qu'elle sera utile à notre combat. Et merci à Fanny pour ce briquet de marin qui est un magnifique objet. Bref, oui, deux followers attentionnées et charmantes. Donc, une bougie pour tous les combattants tombés au front. Un encouragement, Philogine, à répondre à YouTube, car la même chose m'est arrivée le mois dernier avec un groupe relativement hystérique de youtubeuses africaines communautaires. Elles m'ont fait striker une vidéo. J'ai obtenu gain de cause auprès de YouTube. Donc ne te laisse pas impressionner par les arguments juridiques. Ne te prosterne pas. Invoque simplement ton droit à la citation et demande à quel minutage précis tu l'enfreindrais ou quelque chose comme ça. Rapproche-toi de ton conseil comme je l'ai fait. Tu auras peut-être gain de cause, comme moi j'ai eu gain de cause. Et en attendant, abonnez-vous. Je dis ça encore une fois de façon désintéressée, car moi, quand j'ai été licencié, quand j'ai eu la pétition, personne de public n'est venu à mon secours. Personne n'a demandé de s'abonner à ma chaîne. Et bien moi, je le fais quand même pour les autres, par principe, par élégance. Donc, je ne connais pas l'intégralité des contenus du Philogine. Je vous invite néanmoins, cependant, à vous abonner à sa chaîne, par principe, et pour soutenir la cause. Alors, Marine Spack, nous allons découper sa BD en 3 et vous me signifierez votre intérêt pour ce type de production en mettant des pouces. Donc allez, on va dire à 1000, c'est trop facile désormais parce qu'à 50 000 abonnés, 1000 pouces c'est pas beaucoup. Dès qu'on arrive à 1500 pouces, je vous fais le chapitre 2. Alors, la première fois que j'ai été exposé, nous dit-elle, à un discours masculiniste, ça ressemblait à ça, je veux la garde de mon fils. Donc là, pas grand-chose à dire sur la première vignette, car on n'a pas le contexte, hein, c'est décontextualisé. Le contexte arrive à la seconde, on voit que la structure métallique sur laquelle l'homme, on suppose à ses vêtements qu'il s'apparente à un individu de sexe masculin, mais en même temps... Il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. On voit qu'il est sur une grue. Alors, c'est une anecdote, c'est un fait divers. Il est un petit peu fourbe et un petit peu vicieux de le mentionner comme ça, de façon avec dédain, avec condescendance. C'est-à-dire qu'on voit un homme en train de geindre, c'est-à-dire dans une position typiquement féminine de soumission, bouhouhou, sur une grue. Alors, ce qui peut paraître un hasard n'est pas un hasard, puisque un père a effectivement menacé de se jeter d'une grue en 2013, suite aux dénonciations calomnieuses de son ex-compagne, qui l'empêchait de réclamer et d'obtenir la garde de son enfant. Alors, et une espèce de mégère, je vais vous faire remarquer qu'elle a les cheveux gras et attachés en chignon, ce qui me semble être le déterminant de beaucoup de néo-féministes, c'est le cheveu gras en chignon. On l'a vu très très récemment dans la vidéo de celle qui a laissé son enfant se percer le tympan, la Titiou le coq. Je vous mets encore une fois le lien dans le coin de l'écran. Retenez bien ces petits détails. Retenez bien la négligence, la désinvolture. Notez bien le regard, cette espèce de regard un peu de poule méchante. Et le cheveu gras, nous y reviendrons dans la fin de ce premier chapitre. Je vous ferai un parallèle entre deux de ces vignettes qui sera particulièrement parlant, rappelez-vous bien du cheveu gras. Donc, la conclusion de cette seconde, mais écrite de façon comme ça, encore une fois, très, très dissociée, très inégale, en tout petit, en bas à droite, serait que le non-accord des juges pour la garde parentale serait d'un commun accord. Alors moi, quand j'entends ça, je vais également, je vais tout de suite... puisque je ne suis pas dans le combat vain, je ne suis pas dans la posture, moi je vais aux chiffres, je vais aux sources. Les chiffres nous disent, un juge aux affaires familiales en février 2013 nous disait qu'en réalité, que Marine S. Spack
résume par un accord mutuel, c'est vrai et c'est faux. Hein. Et tout le côté malin de ces néo-féministes, c'est de s'appuyer sur des chiffres dont une première lecture rapide pourrait laisser à penser qu'ils sont vrais, mais en réalité, qui sont toujours décontextualisés ou dont on ne connaît pas la séquence causale ayant présidé à leur avènement. Et quand on recompose la séquence causale, on voit qu'en fait, ce n'est pas à juste proportion. Ce qui est à juste proportion, ce qui est 50-50, 50% des divorces se font par consentement mutuel, 50% ne l'obtiennent pas, ce consentement mutuel entre les ex et les ex-époux, et s'appellent donc des contentieux, des divorces contentieux. Quand il y a contentieux, le contentieux ne repose pas systématiquement sur la garde, il repose par ordre de fréquence sur les 1, la raison d'être du divorce, et 2, les conséquences matérielles, hein, économiques, donc les sous-sous. En parlant de sous-sous, vous irez faire un tour sur la page de la fameuse youtubeuse Solange te parle, dont je vous ferai une petite imitation en fin de vidéo, car je ne veux pas la citer, je ne veux pas je peux la nommer, je ne peux vous la montrer, car ça serait évidemment prêter le flanc, et elle me ferait striker également, je ne peux diffuser des images de sa chaîne. Je vous promets donc une imitation d'elle en fin de vidéo, vous allez voir, c'est assez caustique. Et en attendant, je vous recommande d'aller faire un tour sur son Page One. Donc Page One est une page en fait de mendicité, hein. On fait l'aumône, c'est comme Tipeee. J'ai d'ailleurs démontré dans une vidéo très récente qu'il est beaucoup plus facile de mendier de l'argent sur Internet quand on est une femme qu'un homme. Je vous renvoie à ces 3 matchs de youtubeurs hommes et femmes où on voit que la femme gagne 3 à 4 fois plus sur YouTube que l'homme. Et donc, pour le prétexte pour mendier ces 3 000 $ mensuels sur Tipeee, oui, 3 000 $ mensuels quand même sur Tipeee, son prétexte, c'est que désormais, avec cette somme, elle pourra plus facilement interagir avec vous. Oui, bah, en fait, tu ne veux interagir qu'avec ta fanbase. Tu n'es structurellement et cognitivement capable d'interagir qu'avec les gens qui sont de ton avis. Quand on n'est pas de ton avis, tu utilises tous les moyens et toute la rouerie juridique pour striker. Hein. Puis après, vous vous plaindrez de ne pas être, d'être les laissés pour compte économiquement dans les entreprises. Bah oui, mais enfin, les dizaines de milliers d'hommes qui vont voir ça, à un moment, quand ils auront à choisir entre vous et un homme, bah, le problème, c'est que le choix sera vite fait, puis il ne faudra pas vous en plaindre, il faudra vous en prendre qu'à vous-même et à votre modus operandi, à votre logiciel. En parlant de logiciel, tiens, je l'ai annoncé sur Twitter. Pour ceux qui ont du mal à comprendre cette rouerie, cette malignité, cette logique, ce sixième sens dont mon ami Grégoire Lacroix, le poète, dit « les femmes ont un sixième sens », le problème c'est que c'est un sens giratoire. Pour comprendre toute cette logique de dénonciation rétroactive, d'appel à la justice, d'appel à la dénonciation et au hashtag, je vous crée jusqu'à demain soir, nous sommes le 20, donc jusqu'au 21 novembre, pendant 24 heures, jusqu'au 21 novembre, je vous crée un coupon de 50% sur mon logiciel Logique des... sur mon séminaire Logique des Femmes. Dans Logique des Femmes, vous allez comprendre cette logique de strike, de dénonciation, d'appel pour elle-même à une liberté de parole qu'en réalité elle nie aux hommes puisqu'elle nous empêche la liberté de penser. Hein, souvenez-vous, quand on réclame trop la liberté de parole, c'est pour s'exonérer de la liberté de penser. Pour comprendre le schéma et le logiciel et le barycentre féminin, j'ai la meilleure formation de France sur le sujet, c'est indisputé même par mes ennemis, celle-là ils ne la critiquent pas. Ça s'appelle Logique des Femmes, ça dure 4 heures, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, c'est téléchargeable immédiatement, vous n'avez pas à attendre une prochaine séance, en cliquant sur le lien que je vous mets dans le coin de l'écran, vous le téléchargez immédiatement. Ça vaut un certain prix, tous ne peuvent pas d'habitude se le permettre, la journée revient à 300 €, 50%, voilà, je ne fais jamais 50% sur rien, je ne l'ai jamais fait depuis 2006 que j'ai commencé, là vous avez 50% pendant 24 heures sur ce séminaire-là et pas un autre pour comprendre Solange et ses copines, avec le coupon, hein, coupon à entrer sur la page paiement de mon site Mass Consulting, le coupon on va l'appeler par hasard Solange ta gueule, hein. Donc pour comprendre Solange te parle, vous téléchargez mon Logique des Femmes avec le coupon Solange ta gueule et vous aurez donc 50% de réduction un jour dans l'année. Donc revenons à notre soi-disant homme géniant sur une grue. D'ailleurs c'est très infâme de se moquer de la soi-disant pleutrerie d'un homme sur une grue, car en réalité on sait que les hommes se suicident 8 fois plus que les femmes. Hein. Ils tentent 4 fois moins, et ils réussissent 2 fois plus, car les femmes font beaucoup plus semblant de se suicider, tout ça c'est adossé à des chiffres, j'ai les preuves, c'est vérifiable. Donc l'homme qui monte sur une grue va sauter, tandis que la femme qui monte sur une grue va pleurer, et va attendre de se faire secourir statistiquement. Hein. Donc il y a finalement assez peu de conflits entre les deux parents à propos de la résidence de l'enfant, ça ne concerne en brut que 6,5%
des divorces. Mais quand ça devient conflictuel sur le lieu de vie de l'enfant, la mère l'emporte à 47%, le père ne l'emporte qu'à 26% et l'alternance l'emporte dans 26%. Donc la mère gagne bien deux fois plus souvent la garde de l'enfant que le père, mais il fallait encore remettre tous ces chiffres en perspective pour démêler ta propagande de la réalité. Donc vignette suivante, c'est bien toi qui emmènes Max chez le médecin jeudi, donc là on parle encore de cette répartition des tâches administratives et ménagères qui se rapportent à l'enfant. Oui, je suis tout à fait d'accord Marine, il y a probablement à 20 à 30% d'activités qui tournent autour du foyer qui sont plus fréquemment prises en charge par les femmes, mais c'est en réalité parce que les hommes, si les hommes gagnent 20 à 30% plus, c'est parce qu'ils ont des postes qui ont plus de responsabilités, et donc la charge mentale qu'ils vous confient à la maison, c'est qu'ils l'ont au travail. Et oui, ils ne gagnent pas 20 à 30% de plus en moyenne, en brut, parce qu'ils ont un objet oblong entre les cuisses et que ça leur suffirait. Ils gagnent ces 20 à 30% en plus parce qu'ils occupent des positions plus risquées, des travaux plus risqués, plus fatigants physiquement ou mentalement, où ils ont une charge managériale supérieure. Et donc, la répartition des tâches, il faut voir au global, c'est-à-dire au global de la calorie apportée et du service rendu. Et l'homme se repose un peu plus à la maison parce qu'en général, il a une charge et une responsabilité économique supérieure dans le foyer. Il voit plutôt dans cette lutte un moyen d'échapper aux pensions alimentaires. Oui, alors en général, les discussions autour des pensions alimentaires, j'évite d'avoir des jugements trop univoques sur le sujet. Tu vois, moi, je suis honnête. Je ne donne pas systématiquement tort à mon adversaire. Contrairement à votre modus operandi à vous, là, la bande de l'amicale progressiste de l'inclusivité. Je suis moi-même enfant de parents divorcés, j'ai moi-même vu quelques récriminations du papa à verser la pension, je l'ai constaté un petit peu impuissant, ça repose sur du cas par cas, ce sont des contrats totalement contingents et non permanents. En général, quand le père rechigne à verser la pension, c'est qu'il se sent désinvesti de l'éducation de l'enfant, donc il faut peut-être aussi que la mère le réinvestisse un peu plus. Je te donne le bénéfice du doute sur cet aspect. Et ça te permettra, si tu as un minimum d'honnêteté, de constater que je ne suis pas à charge contre toi. Ou de conserver du pouvoir sur leur ex-femme. Alors là, par contre, ça, c'est complètement con, hein, comme bulle. Le pouvoir en sociologie, avant de le manipuler, il faut d'abord se demander ce que c'est. Le pouvoir est une relation parfaitement contingente. Le pouvoir n'est pas une énergie potentielle que l'on stocke et que l'on décharge en faisant preuve de coercition physique sur quelqu'un. Le pouvoir est le qualificatif qui pourrait s'accorder à n'importe laquelle des relations hommes-femmes ou des relations en général. Le pouvoir désigne la quantité des ressources dont dispose chaque acteur dans une négociation, leur capacité à être mobilisable et pertinente. Hein. CF, le pouvoir et la règle, Michel Crozier, Erhard Friedberg, Centre de sociologie des organisations. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que toute relation est une relation de pouvoir et que le pouvoir, c'est l'intelligence stratégique des acteurs à manipuler des ressources mobilisables en temps et en heure et des ressources pertinentes. C'est-à-dire, si j'ai quelque chose que vous désirez ardemment et que je sais en jouer et vous l'échanger contre quelque chose que vous possédez et que je désire, comme en l'occurrence une relation commerciale, eh bien, j'ai un pouvoir sur vous, mais vous avez également le pouvoir sur moi de m'ôter la ressource que je désire acquérir. Et donc, nous sommes dans un processus économique de marchandage, de négoce. Hein, le pouvoir est une relation équivoque et pas un ascendant univoque. Bon, manifestement, ça va un petit peu loin pour tes capacités cognitives et cognitives. Donc, on va te pardonner, hein, et puis on va passer à la bulle suivante. Les groupes de pères sont une petite facette du masculinisme, ce mouvement qui démarre au début du XXe siècle. Donc là, c'est une escroquerie, encore une fois. J'ai les sources. Mes sources s'appellent « Le masculinisme, une histoire politique du mot en anglais et en français » par François Dupuis-Déry, extrait de la polyparentalité, un genre nouveau, volume 22, numéro 2, 2009. Eh ben oui, tu vois, j'ai bossé, peut-être un petit peu plus que toi, cher Marine Spack. Ce qui justifie que je gagne mieux ma vie que toi. Quand on fait une étude sémantique de la présence des mots qui tournent autour du masculinisme, on voit qu'il n'y a quasiment rien pendant tout le début du XXe siècle, si ce n'est un roman, hein, pas un documentaire ou un essai, un roman, une pure fiction, d'un certain Albert Sim, qui en 1899 mettait en scène des
protagonistes qui voulaient faire une ligue d'émancipation féminine et qui rêvaient d'une société dans laquelle les femmes seraient réduites à l'esclavage, les plus belles étant réservées à la prostitution et les laides à la cuisine. Bon, alors d'une part, c'est un roman, encore une fois, donc c'est une histoire parfaitement imaginaire, comme son nom l'indique. Hein. D'autre part, je te rappelle que c'est finalement le résultat objectif du capitalisme. Hein. Les plus belles font Miss France, font mannequin et font, sont des femmes entretenues, et les plus laides font, font couturière, concierge et femme de ménage. Tu vois, ce que le roman n'a osé rêver, le capitalisme s'en est lui-même chargé. Quand les mobilisations féministes commencent à s'affirmer, l'histoire des hommes s'opposant à l'émancipation des femmes est peut-être plus instructive que l'histoire de l'émancipation des femmes elles-mêmes. Oui, alors là, tu n'as pas tout à fait tort. Encore une fois, reconnais, hein, en termes d'honnêteté, ma supériorité, car moi, je donne souvent raison à mes détracteurs, alors que vous, hein, évidemment, vous êtes tout le temps beaucoup plus univoque dans vos attaques. Tu n'as pas si tort que ça, mais tu as à 50% tort. Pardon de faire du mansplaining et de te recadrer, mais tu vois, manifestement, quand on a les faits, que quelqu'un ne les a pas, vous appelez ça du mansplaining. Moi, j'appelle ça simplement quelqu'un qui a fait le boulot et quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc, le vrai boulot, c'est qu'il y a une différence entre le monde anglo-saxon et le monde gréco-romain, de culture latine, on va dire. Donc, le masculinisme dans le monde anglo-saxon est associé à l'androcentrisme et globalement au patriarcat, c'est-à-dire à la théorie selon laquelle le capital, c'est-à-dire les biens, les possessions, la gérance, se transmettrait de père en fils, ça c'est la définition étymologique du patriarcat, et également selon laquelle les lois du monde seraient pensées et conçues dans des intérêts et des visions principalement masculines, et qu'en inférerait, mais de façon secondaire, les lois qui s'adaptent aux femmes. Donc tu as tort dans le monde anglo-saxon, tu as par contre un petit peu raison, mais à mon avis par hasard, dans le monde latin, où effectivement, dans le monde latin, les occurrences des idées et du jargon masculiniste apparaissent en réponse aux saillies et aux occurrences de requêtes et d'injonctions féministes. Et pour être plus précis, ce sont des réponses asynchrones dans le temps, ça ne les suit pas exactement à T plus 1, mais on voit que quelques mois, quelques années après, quand un thème est accaparé et cannibalisé par le féminisme, eh bien, s'organise de façon un petit peu moins tribale et tripale une réponse masculiniste en mettant en général les féministes devant leurs contradictions par l'argument de la raison. Mais jamais, bien entendu, en voulant transformer toutes les belles en putes et toutes les autres en femmes de ménage. Encore une fois, tu confonds un roman de science-fiction un peu dystopique de 1899 avec la réalité des années 2000. Alors, on approche de la fin de cette première lecture. Je vous rappelle qu'à 1500 pouces, je passe à la seconde. Et on approche, selon moi, à la clé de lecture qui fait tomber un petit peu l'édifice bande dessinée, la production BD de Marine Spack, comme un château de cartes. Je vais vous laisser la deviner en vous montrant par paire, en diptyque, les deux derniers groupes de vignettes. Donc, dans l'avant-dernier diptyque, l'allégorie de la société, c'est une femme ogre, hein, manifestement, avec une croix, une espèce de croix catholique à l'envers, donc on ne sait pas si elle a bouffé du curé. Ce symbole d'émancipation est aussi anticlérical, donc une espèce de femme ogre qui tiendrait très maladroitement une lance dans sa main, avec des jambes poteaux énormes. Toujours, on remarquera toujours la bouche de sorcière, les yeux exorbités. La petite poitrine tombante, les hanches larges, pas de taille, et le cheveu gras en chignon, hein, rappelez-vous, comme Titou le coq, toujours, ce refus du moindre apprêtement, hein, cette conformisme de l'anticonformisme, et un ogre féminin devant lequel l'homme serait désemparé, ça serait une petite lavette, une petite lopette, qui brandirait comme ça un gourdin de façon presque pathétique. Et dernier diptyque du jour, donc là elle nous fait le pendant en simplifié, bon elle fait ce qu'elle peut évidemment, de mon séminaire typologie de femme, hein, où je vous, encore une fois, intéressez-vous-y pour comprendre la différence entre la cellule souche, la jouisseuse, l'actrice, la metteur en scène, la scénariste. Donc là elle nous fait un pendant simplifié, donc pour les femmes, comme l'a très bien expliqué mon dernier éditeur M6 Éditions, ils m'ont dit rappelle-toi qu'il faut écrire simple, il faut écrire pour les femmes. Moi j'avais fait un livre avec le même niveau de complexité que je l'aurais fait pour les hommes, et on me l'a simplifié, on me l'a abêti au titre que la clientèle serait féminine, ce qui devrait quand même permettre de réfléchir et de comprendre comment le capital et comment la raison marchande vous perçoit et vous manipule.
Si vous arriviez à le percevoir, je pense que vous feriez déjà un grand pas. Donc, les hommes se diviseraient en trois catégories. Les groupes de pères, qui seraient des espèces de marins bretons montés sur des grues, prêts à se suicider, mais ça la ferait rire. Les hommes men, on dirait des espèces d'antifa bariolés avec une chèche sur la bouche et qui se tatoueraient des... Ah ben non, c'est pas des antifas parce qu'ils se tatoueraient des messages à conservateurs, néo-conservateurs, presque alt-right, sur le torse. Donc apparemment, quand on est homme men, hein, donc quand on serait le pendant... Le versant tragique des femmes, eh bien, on serait anti-homosexuel et anti-mariage des gays. Bon, je lui laisse cette assomption, on pourrait en débattre, ce n'est pas le sujet. Là, on chauffe, puisqu'on voit qu'elle a été, apparemment, elle est extrêmement sensible à la problématique des experts en séduction. Donc, a-t-elle été éconduite par un expert en séduction, ou a-t-elle, selon moi, un autre problème que nous allons comprendre à la prochaine vignette? La prochaine vignette, selon moi, est la clé de lecture totale de l'œuvre, si je puis dire, de cette auteure de BD féministe Marine Spaak. Oh ! On voit que ce qu'elle considère comme la femme masculiniste, hein, ce qui est paradoxalement le seul moment où elle a à peu près raison, puisqu'elle rapproche la définition masculiniste de son origine étymologique, car les rares fois où ce terme était utilisé au siècle dernier, c'était pour désigner les caractéristiques masculines ou les penchants masculins d'une femme versus les penchants féminins d'un homme. Hein. C'était le côté F d'un homme et le masculinisme, c'était le côté H d'une femme. Donc tu vois, avec ces auteurs-là, de temps en temps, à force de dire une chose et son contraire, à force de dire A et non A, elles ont parfois raison sans s'en rendre compte. Donc, toute Marine se résume par l'apposition que je vais maintenant vous faire à l'écran de ces deux images. La féministe combattante, revendicatrice et guerrière qui est une femme ogre à la bouche de sorcière, sans taille, sans proportion féminine et réduite à une espèce de posture d'épouvante. Et en face, la femme aimante, douce, qui a un discours parfaitement sensé, et qui est évidemment la seule femme jolie de toute sa bande dessinée, car on voit que toutes les autres soit ressemblent à Margaret Thatcher jeune, soit ressemblent à une témoin de Jéhovah, soit à un ogre, et à son insu, elle dessine comme femme sensée l'unique vignette féminine de son œuvre, la seule jolie, la seule qui ressemblerait presque à une muse pré-raphaélite, comme Jane Burden, la seule qui ressemblerait, qui aurait la féminité d'Ophélia de John Everett Millay, la seule qui donne envie, la seule qui évoque la grâce, la seule qu'on a envie d'embrasser, la seule qu'on n'a pas envie de... Bon, je le dirai pas pour pas être striké ou censuré. Eh bien, c'est paradoxalement celle qui tient le discours le plus digne d'être aimé, car le plus aimable. Donc je pense qu'il y a quelque chose à deviner du rapport aux hommes de l'auteur, ou plutôt, il y a toujours quelque chose dans les productions littéraires des gens à inférer de leur rapport à l'autre sexe. En a-t-il été rejeté et a-t-il eu accès avant la célébrité à ce qu'il désirait de l'autre sexe, hein? On peut lire à cet égard les premières productions, par exemple, de Houellebecq et de Yann Moix avant leur accession médiatique, leur permettant désormais d'avoir accès à un grand nombre de sexes féminins. Et je pense qu'il faut lire les récriminations, les vaticinations et les homélies féministes de combat de ces femmes, eu égard à leur complexe physique. Et en plus, quand on fait de la BD, on ne peut s'empêcher d'y faire transparaître et transpirer tout le nœud gordien de ces complexes physiques. Laquelle de ces deux protagonistes de BD a eu les expériences avec les hommes les plus traumatisantes? Et à votre avis, pourquoi? À 1500 pouces, deuxième chapitre de la lecture des aventures de Marine Spaak. Je vous avais promis, car à défaut de pouvoir vous la montrer, je vous avais promis une petite imitation de Solange te parle. Donc attention, je me concentre. Je vous demande d'aller comparer ensuite, hein, si vous le souhaitez, l'imitation que je vais faire à la vidéo de présentation de sa chaîne. Vous allez sur sa chaîne, sur la homepage de sa chaîne, la page d'accueil, et vous regardez sa vidéo de présentation, celle qu'elle a choisie elle-même comme étant de présentation, et vous allez voir ça. Je sais pas par où commencer. Il y a quelques années, j'ai eu une relation avec un homme qui
qui n'a jamais entendu « Je t'aime ». J'en ai parlé avec sa maman et... Vous voyez, quand j'imite Solange te parle, le ciel et les éléments se déchaînent contre moi. C'est le signe qu'il faut que j'arrête. Vous ne me croyez pas quand je vous dis que c'est une coïncidence que je reçoive un message de VIP. Vous entendez la notification, vous pensez que je l'ai monté. Vous allez sans doute penser que j'ai monté le bruit du tonnerre. Non, le tonnerre vient de m'interdire de continuer à imiter Solange te parle. Bon, à défaut de l'imiter, hein, évidemment, vous avez compris, si vous possédez un minimum de mes contenus, vous avez compris que toute sa rouerie marketing, car elle n'est pas conne au fond, on devine qu'elle n'est pas conne, enfin pas si conne, on devine qu'en fait, quand on sait lire, elle singe la femme-enfant pour parler évidemment à son lectorat et à son auditoire le plus nombreux en le tirant vers le bas au lieu de le tirer vers le haut. Hein. Et il y a une façon de s'attirer ce qu'on appelle la médiocratie, c'est-à-dire la clientèle la plus nombreuse et la plus médiocre, qui est de faire appel à sa corde sensible la plus faible. Un petit peu comme si moi, je parlais à la racine de l'hétéro-binaire de base présent dans chacun de mes clients, alors que j'essaie de les tirer vers le haut, vers le beau, vers la réflexion, vers le discernement, vers la nuance, hein, en n'étant pas monomaniaque et bourrin et agressif, et en n'étant pas la catharsis des pulsions qu'il ne saurait brûler dans le brûlot du réel, eh bien elle, évidemment, elle les tire vers le bas en singeant le chromosome femme-enfant présent dans chacune de ses clientes. C'est comme ça qu'il faut lire, en fait, cette espèce de possession ridicule, toute cette posture, toute cette gestuelle grotesque qui est la sienne, et ce timbre de voix. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous faites pour tenir plus de 2 minutes. Il y a quelqu'un qui me parle comme ça et qui me dit, avec un montage vidéo qui fait des zooms et des dézooms, que j'ai beaucoup été aimé et que ça me fait quelque chose. Voilà. Pour tolérer ça, il faut déjà avoir un QI de moins de 100. Et il ne faut ne pas se rendre compte du mépris que ressent pour vous celle qui s'adresse à vous. Voilà, donc je laisserai les plus fins deviner entre quelqu'un qui est parfois un petit peu sec, parfois un petit peu condescendant, mais qui ne s'abaisse pas à jouer sur votre corde la plus basse, sur les instincts les plus bas, et qui ne s'abaisse pas à mendier sur Tipeee ou sur Patreon, et quelqu'un qui joue, évidemment, sur les cordes la plus anthropologiquement stupide de son auditoire pour lui extorquer 3000 euros de dons en leur faisant croire que leur plus beau trésor, c'est leur infantilisme, leur infantilité. Non, votre plus beau trésor, il est là, et puis quand il n'est pas là, il est au-dessus de vous, il n'est pas en dessous. On n'est pas des enfants ni des adultes, putain. Mes chatons, j'ai déjà coupé la caméra, j'ai déjà éteint les lumières, donc vous ne m'entendez qu'en audio, mais je viens de découvrir quelque chose de tout à fait exceptionnel. En rubrique double éthique, elle nous fait une mention très bien avec complément du jury. La youtubeuse Solange te parle a été au cœur d'une polémique aux alentours de mars 2017 pour avoir, je vous le donne en mille, vendu et donc gagné de l'argent sur la base d'un livre qui n'est que le recueil de témoignages pour lequel elle n'a jamais sollicité et obtenu l'autorisation. Donc voilà, je vous mets le lien vers l'article en question dans le journal Sud-Ouest. Donc voilà, rubrique logique des femmes, double éthique, contradiction, A et non A, fais ce que je dis parce que je fais ce que je fais parce que je dis et je t'emmerde et je suis une victime. Là vraiment, on est en terrasse.